Ah oui, un petit essai du BXXL 8S, 1450 kV, tout petit pignon de 11. Hein, c'est pas prévu pour être une brute, mais pour rouler cool. On va faire doucement parce qu'elle est excitée sur le circuit. Ouais, ça glisse. Oh, le temps que les pneus échauffent, c'est l'enfer. Je glisse. Ah, dans le sable, avec ses pneus, c'est bon. Non. Non, ça c'est le mien, j'ai juste mis, j'ai acheté le kit carreau complet et tout. J'ai mis le petit 8S. Ah, c'est trop bien, 400, ouais. Mais les pneus ils sont un peu. C'est mieux que l'HPI Flatline, c'est la version chinoise d'HPI Flatline. Mais c'est pas encore ça. Voilà, c'est ouais. C'est poussière aussi là. Hein. Faut pas toucher les freins. Bon, tu vas chauffer le pneu. Sur la pelouse, ce sera mieux quand même. Je crains juste le plot qui va me faire décoller sur le toit. Trop, trop, trop. Trop de gaz! Je sais pourquoi, c'est parce que j'ai mis le punch au minimum. J'aurais dû mettre au max. J'ai plus l'habitude. Faut caresser, c'est un truc de fou, regarde. Là, je suis 10-20% des gaz. Quoi. Ah, bon, les deux roues avec les roues qui glissent. Avec des bons pneus après, c'est. Enfin, avec les petits picots dans l'herbe, ça va être bien. Ah là, je me suis fait arrêter le sable. Je vais faire une. Je voulais pas lâcher les gaz, je me suis dit à un moment il va glisser.
trop, hein. Dès que tu touches les freins, t'es mort. Quoi, je fais des traces? Non. Tu sais comment ça va finir? Carré de roue FG, pneu FG. Ça tient quand même mieux que tout ce qu'ils font entre guillemets 8ème pour piste. Parce que là, on les a relativement tous essayés, rien à faire. Hein. La SRC, ça va encore, mais. Tu vois le prix des gommes. Tu veux essayer? Ils ont vachement confiance dans leur pilotage, les mecs. Faut un peu de temps pour s'habituer. Hein. Chauffe pas. Hein. Après, t'es sur des graviers aussi, hein, je veux dire, c'est comme si t'étais sur de la flotte, c'est pareil. Bah en plus les pneus ils sont hyper durs. Là, t'as aucune chance. Ouais. C'est les mêmes. Ah ouais? Sauf que, enfin, ça c'est la version chinoise, Etienne. Tu peux pas essayer? Alors, ouais. S'il y a plus de grip, parce que là tu te balades quand même sévère. Pas grave. Et si jamais tu demandes une voiture, tu te fais plaisir au niveau du prix du départ. Hein? Ouais. Ça retient bien la fin. Je l'ai eu. Bon, on mettra que les scènes où ça marche. Voilà, c'est ce que dire. On va rouler 20 minutes et on aura 2 minutes de vidéo. Flash info. C'est mignon. Ça arrive. Plus souvent que ce qu'on veut, mais. Du coup, il y a deux méga meilleurs. Même pas, il y en a zéro. Elle clignote, elle te dit même pas qu'il n'y a pas de carte SD. Elle te fait pas tu sais. D'habitude, elle s'arrête pas. Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est une fois que t'as chopé du sable sur les pneus. Il va traverser tout le parking de travers, c'est pas possible. Enfin, pas avec ses pneus en tout cas. Attends la neige. Non, le pire c'est que tu mets les vieux pneus à picot de truggy normal. Et ça marche. Oh c'est bon. Par contre je vais mettre cette radio sur la Hobitech vite fait. Et après on va voir. Non, non. Ça évitera qu'on le casse. Même dans le coup, si jamais, ce serait fait, ah bah oui, c'est vrai, j'ai l'autre. Bien vu. Ouais, mais je vais piquer celle-là. Ouais, j'ai une radio Traxxas dans le coffre, je vais te la brancher sur la Hobitech. À un moment, à chaque fois, ça a tourné un peu trop. Voilà. On gardera juste celui-là sur le flash info. Bah oui, c'est ça. Toi, tu mets juste gaz et tu braques.
contre, avec l'anthrax, ça bouge l'égout, c'est pas un problème. C'est là que ça se fait craque sur le morceau qui dépasse. T'as la petite lamelle qui sort. Ah, dommage le sable. Non, mais c'est parce qu'il y a de la poussière, c'est de la poussière. Je nettoie juste la poussière au passage. Je vous rappelle, j'ai dû fabriquer une FG12S pour réussir à faire des burns. 8. C'est pas celle-là qui va faire. Chaque fois, ce foutu sable. Bon, qui c'est qui va essayer? Ah, j'ai préparé l'autre, hein. On va rouler. Ah ouais! Je crois qu'il chauffe, ça commence à lever. Bon, alors, les pneus chinois, c'est pas terrible. Enfin bon, on était quand le sol est vraiment méga bouillant. Ils arrivent à ouais, une petite quarantaine, cinquantaine de degrés, mais il n'y a rien à faire pour passer la patate au sol, c'est pas ça.